Vous avez vu ? Pas mal sous l'eau, hein. Voilà, Tara est arrivée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est l'occasion pour nous de prendre le temps de répondre à la question de la classe de 6e du collège Jean Massé à Clichy, qui souhaiterait savoir quels outils utilisent les scientifiques pour prélever le corail. On vous montre ça ? Les gens, vous allez faire quoi là ? Alors, on va aller chercher du corail là, pour faire des échantillons. Ok. Je peux venir avec ? Ouais, bah bien. Émilie, tu t'apprêtes à aller sous l'eau. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les outils que tu vas utiliser ? Bien sûr, voilà. Alors, dans mon petit sac, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un quadra. À quoi ça sert, à ton avis ? À mesurer la taille des colonies. Et bien sûr, parce que chaque colonie, on la prend en photo avec un appareil photo pour ensuite la traiter sur ordinateur. J'ai également, outil indispensable quand on travaille sur du corail, un marteau et un burin pour les prélèvements. Mmh. Et enfin, les petits sacs d'échantillonnage, bien attachés bien sûr, pour ne pas perdre du plastique dans l'océan. Ok, c'est tout simple en fait. C'est tout simple. Okay. On se retrouve sous l'eau ? Ouais, je te montre. Je montre tout ça ? Ouais. Émilie, on est revenu sur le bateau. Est-ce que tu peux nous présenter les outils que tu vas utiliser pour conditionner tes échantillons ? Oui, voilà. Alors là, on a tous nos petits sachets où on a nos coraux de chacune des espèces, coupés déjà en petits bouts. On va utiliser une pince molle et une pince coupante aussi, qui va nous aider à recouper tous les coraux en petits morceaux qui rentrent dans les différents formats de tubes. Certains sont gros, certains sont tout petits. Et on en a même d'autres qu'on va mettre dans des sachets et qu'on va plonger dans l'azote. Qu'est-ce que c'est que ce engin là ? C'est un peu bizarre. Nico, c'est pas un engin et c'est pas bizarre. C'est un carottier pour faire des carottes. Des carottes pour manger ? Non, des carottes de corail comme celle-là. Mmh, d'accord. Bon, bah, explique-moi. Bah, je vais t'expliquer. En fait, tout se passe au départ à partir du groupe hydraulique. D'accord. C'est comme les groupes électrogènes, sauf qu'au lieu de créer de l'électricité, là, ça va entraîner un circuit d'huile qui va faire tourner notre grosse perceuse en quelque sorte. D'accord. Donc, au final, la perceuse ici va entraîner ce qu'on appelle le trépan. Mmh. Et le trépan va rentrer dans le corail et en ressortir la carotte. Tu vois ? Comme ça. C'est plus clair. C'est plus clair. Voilà, j'espère que vous en avez appris davantage sur notre façon de travailler à bord. On se retrouve pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao ! Thank you.